Ah, ils sont 16, je le montre. Ça va la lumière là? Je ne sais même pas si elle est 5. Bonjour, donc ici Cécile Gallo-Selva d'Éthique. Est-ce que y a des gens qui sont présents? Est-ce que vous m'entendez? Alors, ouais, donc je commence à avoir des messages, des réactions. Donc j'ai déjà, je vois que déjà quelques questions. Donc je vais peut-être commencer par prendre les questions dans l'ordre. Alors, je vais attendre juste une petite minute pour régler un petit souci technique. Donc, je demande d'être patient, s'il vous plaît. Ouais, tu me parles d'un bouton play. Pour l'instant, vous n'avez rien? Bon. Bon, donc je pense que le problème technique est réglé. Donc bonsoir à tous. Et donc je vais commencer à répondre aux questions. Et surtout, bah, merci de prendre le temps d'être là ce soir pour le live meeting organisé par l'ITA. Alors, sur les questions, je crois qu'on avait une tout à l'heure. Alors, il y a 8 heures. La première, alors je ne sais pas si c'est une question de Daniel, je ne sais pas si elle est là parce qu'elle a posé la question il y a 8 heures. Elle demandait si 200 000 euros, alors je vais lire sa question, 200 000 euros c'est assez peu pour l'activité d'une PME en immobilier comme Éthique, avez-vous d'autres sources de financement? Alors, excellente question pour démarrer. Donc, en effet, la campagne LITA que l'on fait, c'est la quatrième campagne que l'on fait avec LITA. On a en effet travaillé avec LITA lorsque c'était 1000 et Impact, donc au tout démarrage de leur lancement. Et à l'époque, on faisait des levées de fonds en action, donc du financement participatif en action auprès de particuliers. Donc, on a fait ça 3 fois de suite. Sur des montants assez significatifs. On est allé jusqu'à 500 000 euros, je crois, l'an dernier. Et en parallèle de ces levées de fonds participatives qui permettent aux particuliers de participer à maximum, on fait des levées de fonds en parallèle Éthique, des levées de fonds privés avec des institutionnels. Et donc, par exemple, là, cette année, pour financer les projets d'Éthique, on a besoin d'un peu plus de 2 millions d'euros. On va lever 1,8 million en capital auprès d'institutionnels et on voulait tester cette année le produit obligation avec les particuliers. Donc, c'est pour ça, comme c'est un test, c'est un petit montant. J'en profite donc pour présenter un petit peu Éthique. Et pourquoi, en effet, on a des besoins en financement? Donc, Éthique, c'est une société solidaire avec un label ESUS. Notre objet est de créer des espaces de travail dédiés au secteur de l'économie sociale et solidaire dans des bâtiments éco-conçus.
et qui sont donc financés par des personnes comme vous et moi et des institutionnels qui ont à cœur d'avoir un triple bilan. Et donc par triple bilan, on entend performance sociale, environnementale et financière. Et concrètement, à quoi ressemblent nos produits ? Nos produits, en fait, c'est des bâtiments qu'on va souvent acheter des usines, qu'on va rénover de façon écologique, qu'on va transformer en tiers-lieux avec des activités professionnelles. Donc, il y a du bureau, il y a du coworking. Ici, on est dans l'espace de coworking du centre EVA à Lyon. Il y a aussi des commerces, donc restaurants, épiceries. On a même des maternelles, des ressourceries. Voilà, donc c'est tout ce qui permet à l'ESS d'avoir accès à des espaces de travail de qualité avec des loyers abordables et dans des bâtiments qui sont en cohérence complètement avec leurs valeurs. Et donc éco-conçus et gérés de façon bienveillante. Et donc pour faire tout ça, bien sûr, on a besoin de beaucoup d'argent pour acheter les bâtiments ou pour les rénover et pour les renover. Et pourquoi est-ce qu'on veut être propriétaire ? Bah souvent, pour assurer un loyer abordable sur le très long terme, c'est important de pouvoir maîtriser le foncier. Donc voilà à peu près ce que fait Éthique et pourquoi on lève autant de capital. Alors maintenant, j'ai une question donc, de Carole. Que faites-vous pour proposer des espaces de travail éco-responsables en termes d'architecture, d'énergie, etc. ? Donc, bonne transition. Alors, pour nous, on a une approche très, j'allais dire, holistique, globale de l'environnement et de l'impact que l'immobilier peut avoir sur l'environnement. Le secteur des espaces de travail en France participe pour 30% des dépenses carbone en France. Donc, c'est un milieu où on peut avoir un impact énorme sur ce qu'on fait à la planète. Et donc, on essaie d'intervenir à différents niveaux. Donc, en tout début d'intervention d'éthique, quand on va faire une rénovation, on va travailler avec les architectes et les bureaux d'études environnementales pour trouver avec eux, en fonction du bâtiment, quelles sont les façons les plus vertueuses de rénover le bâtiment. Alors, bien sûr, on va beaucoup travailler sur la structure du bâtiment pour améliorer l'isolation, la lumière naturelle pour avoir à moins éclairé, mais aussi les matériaux qu'on emploie. Donc, on travaille beaucoup avec des structures de l'ESS pour, par exemple, utiliser du métis donc comme isolant. C'est de l'isolation fait à base de tissus qui viennent de Emmaüs. Donc, des vêtements qui ne peuvent pas être revendus sont hachés et ça devient de l'isolant. Donc, c'est juste un exemple. On fait beaucoup de récup. Ici, à EVA, on a rénové ce bâtiment, mais on a pu garder les sols qui étaient vieux de 20 ans parce qu'ils étaient encore, utilisables. On avait transformé des classes en bureaux et donc on a gardé les anciennes portes des salles de classe pour les transformer en faire des kitchenettes. Donc voilà, on est vraiment sur différents axes environnementaux dans la rénovation. Ensuite, quand on rénove, on s'assure qu'il y ait, par exemple, assez de place pour tout ce qui est local, de poubelle, de tri, de recyclage. Parce qu'ensuite, quand on va exploiter, on va encourager les gens à réutiliser, recycler et transformer. On va s'assurer qu'il y ait des douches pour encourager les gens aussi à faire du transport doux, à venir en vélo. Et dans nos lieux, on essaie d'avoir des cafétérias, restaurants, qui fournissent des produits locaux, circuits courts, principalement bio, et qui ont toujours une offre végétarienne, au minimum un choix végétarien, pour encourager les gens aussi à consommer moins de viande. Donc là, on s'attaque vraiment à beaucoup, beaucoup d'axes qui ont, selon nous, un impact environnemental. Je vais passer à une autre question. Alors, pourquoi proposez-vous un investissement en obligation alors que lors de vos dernières levées de fonds, vous proposiez d'investir en actions ? Alors, ben, c'est toujours dans notre esprit de... Pour nous, on a à cœur de favoriser la finance solidaire en général. Et donc, l'immobilier, c'est un outil assez intéressant pour pouvoir développer tout ce qui est financement solidaire. Donc, comme outil, on avait les actions d'éthique, la SAS.
On a aussi les actions dans les SCI. Enfin, à chaque fois qu'on achète un bâtiment, on crée une SCI. Et Ethique a une part de ces SCI et va chercher un coactionnaire qui, lui, est capable de rester 12, 15 ans dans la SCI et d'investir des montants très importants, de l'ordre d'un million, 1 million d'euros, 1 million d'euros ou plus. Ethique SAS, c'est des actions. Les particuliers, quand on fait du financement participatif, peuvent investir à partir de 1 000 euros. Voilà, donc on est sur deux types de produits différents. Et là, comme l'ITA a lancé un produit d'obligation, ben voilà, on voulait tester, voir si c'était comment ça pouvait s'appliquer à nos besoins de financement et comment on pouvait s'assurer que des personnes pour qui investir en capital n'était pas la meilleure solution, ben au moins ils avaient une autre solution pour participer au financement des centres éthiques. Moi, si je me mets à la place des différents types d'épargnants, si j'ai un profil qui préfère épargner et savoir quand je vais pouvoir récupérer mon argent exactement, à quel intérêt, etc., bah, l'obligation, c'est quand même plutôt une bonne solution. Si par contre, pour moi, c'est très important d'aller aux assemblées générales, d'avoir un pouvoir de vote, de se dire, OK, j'investis, puis je vais pouvoir profiter à la fois de la prise de valeur de l'action, des dividendes, etc. Donc, ce serait plus, je vais plutôt sur les actions, mais je sais que la liquidité n'est pas assurée. Même si on a mis en place un mécanisme, voilà, ça reste, c'est des actions, c'est pas des obligations. Donc, voilà, c'est un test cette année, voir ce que ça donne. Alors. Une autre question, à quoi vont servir les 200 000 de la levée de fonds avec l'ITA? Alors, tous les ans, on lève des fonds, mais à chaque fois, c'est pour deux ou trois projets et sur plusieurs années. Donc, je vais reprendre l'explication. En fait, un projet immobilier, on va mettre entre 3 et 4 ans à le sortir, entre l'idée qui nécessite un petit peu de fonds, le travail avec les architectes pour aller jusqu'à un permis de construire, la signature d'une promesse d'achat. Donc là, on commence à dépenser un petit peu d'argent. Après, ben, il faut continuer à travailler jusqu'à ce qu'on obtienne le permis et qu'on achète. Donc là, pareil, à nouveau, on dépense de l'argent. Et après, ben, on va rénover, donc beaucoup de coûts de rénovation. Donc en fait, sur 4 ans, il va y avoir une espèce de pic. Deux grands pics de dépenses sur un projet. Et on essaye de mener plusieurs projets en même temps et plusieurs projets à différentes phases. Ce qui fait que il y a 2 ans, j'ai levé des fonds pour financer la rénovation bah, de EVA à Lyon, des Halles de la Martinière, l'achat de la coop à Grenoble. Et cette année, finalement, on finance la fin de la rénovation de Grenoble, la signature de la promesse d'achat et le lancement des travaux pour déposer un PC sur l'île et sur 8 îles d'âge. Voilà, donc, et je pense qu'on enlèvera des fonds encore pendant 2 ans pour financer totalement la loco à Lille et 8 îles d'âge à Paris. Alors. Achetez-vous toujours le foncier ou montez-vous également des opérations via des baux emphytéotiques sur des fonciers publics, par exemple? Alors, c'est vrai que aujourd'hui, on va gérer avec Grenoble, ça va faire 8 projets. Il y a 2 projets où il n'y a pas d'investissement du tout parce qu'on est gestionnaire. Et il y a 2 projets ou plutôt que d'acheter et de rénover, en effet, on a des baux très longs. Donc, les Halles de la Martinière à Lyon, on est sur un bail de l'ordre de 40 ans. Et Nanterre, on est sur un bail qui est presque de 50 ans. Donc, parce qu'ils sont très longs, ces baux s'appellent des baux emphytéotiques. Le principe du bail emphytéotique, c'est souvent on va acquérir un bien dont le propriétaire souhaite garder l'usage, mais le propriétaire n'a pas les moyens de le mettre aux normes. Et donc, il faut vraiment faire un énorme investissement de départ pour le rénover. Et quand, au bout des 50 ans, on rend le bien dans un état de condition, on va dire, d'usage, ce qui fait que le propriétaire, il n'a pas touché grand-chose, parce que le loyer est assez bas pendant 50 ans, mais il récupère un bien rénové à la fin. À peu près, ça s'explique comme ça.
Et nous, ça nous plaît de faire ce genre d'arrangement parce que ça permet à certains biens de rester dans le patrimoine et de rester propriété des citoyens. Et nous, ça nous semble normal sur certains biens particuliers, des bâtiments classés, qui ont un patrimoine, une histoire, de pouvoir les laisser comme ça, propriété de la collectivité. Alors, les investisseurs institutionnels, qui sont-ils? Alors donc, Ethique, on lève des fonds depuis 8 ans maintenant. Les premiers investisseurs institutionnels qui nous ont fait confiance, ça a été le Fit Trust, Garrigue. Et assez rapidement, il y a eu des investisseurs type, alors ça s'appelait le comptoir d'innovation, donc c'est INCO, France Active. Et puis ensuite, il y a eu les gérants de fonds d'épargne salariale solidaire. Donc, je pense que ce sont des investisseurs qui se définissent, enfin, qui se disent être des investisseurs à impact ou des investisseurs solidaires. Dans les faits, pour Ethique, en fait, ce sont des structures qui peuvent investir des sommes d'argent importantes et qui ont à cœur de mesurer notre performance financière et extra-financière. Et les fonds eux-mêmes, leur financement à eux viennent de différentes sources. Soit ça va être des particuliers, des business angels ou des family office qui vont investir chez eux. Ça peut être aussi, il y a la Banque européenne d'investissement qui passe par ses fonds pour pouvoir investir. Parfois la Caisse des dépôts passe par ses fonds. Et puis, pour les salariés solidaires, bah, c'est des milliers, des millions de travailleurs qui épargnent leur argent au sein de leur entreprise et l'entreprise elle-même investit via ses fonds dans différentes structures. Donc, quand on parlait du fait que Ethique a à cœur de participer à la finance solidaire, en fait, ça nous permet vraiment d'avoir une multitude d'actionnaires de façon directe ou indirecte non éthique, des petits porteurs au family office en passant par la Banque européenne d'investissement. Et donc ce qu'on appelle institutionnel, en gros, c'est des structures légales qui ont pour métier d'investir. Et celles qui sont dans Ethique, elles sont toutes à vocation sociétale et à impact. Et donc on a un reporting très précis sur notre performance et financière et environnementale et sociale. Alors, comment pouvez-vous garantir qu'Ethique gardera ses valeurs et son engagement grandissant? Êtes-vous 100% indépendant dans vos choix? Alors, 100% indépendant dans nos choix. Le principal cadre que l'on a quand on choisit quelque chose, quand on choisit une stratégie, c'est ce que j'appelle moi les quintessentiels. C'est un document qui a été écrit par la grande sœur d'Éthique. Donc la grande sœur d'Éthique, c'est Ethical Property. En fait, le modèle que fait Éthique en France existe en Angleterre depuis 20 ans. J'ai moi-même vécu 10 ans en Angleterre et j'ai pu participer à cette aventure avec Ethical Properties. Et quand le concept de tiers-lieu solidaire financé par la finance solidaire, c'est devenu assez connu en Angleterre, en Écosse, on a eu beaucoup de locataires basés à Londres qui voulaient qu'on fasse des bâtiments comme cela en Belgique et puis en France. Le créateur d'Ethical Property s'est dit, OK, on va essayer, plutôt que de lancer une franchise ou des annexes dans différents pays ou de monter une multinationale, on va écrire une charte qui définit exactement qu'est-ce que ça veut dire d'être éthique, qu'est-ce que ça veut dire d'être ethical property, qu'est-ce que ça veut dire de gérer des tiers-lieux ESS à impact. Et donc, il y a toute une des pages d'explication sur les grandes lignes de management, les cinq principes de gestion d'une société comme éthique. Et Ethique a inclus ça dans ses statuts. Donc,
Pour pouvoir déroger au quintessentiel, il faudrait qu'en effet les actionnaires puissent voter ensemble des changements de statut. En plus de ça, grâce à la loi ESUS, il est aussi inscrit dans les statuts d'éthique pas mal de choses qui encadrent, par exemple, l'écart des salaires, qu'est-ce qui est fait en cas de liquidation de la société, l'objet social, bien sûr. Donc, voilà, il y a pas mal de protections au niveau des statuts d'éthique. Ensuite, le fait qu'il y ait une grande diversité d'actionnaires. J'espère que le nombre sera toujours plus bienveillant que juste certaines personnes qui pourraient être mal intentionnées. Donc il y a aussi une protection de par la diversité, la multitude des actionnaires. Le fait que les institutionnels soient des institutions à impact me rassure sur le fait aussi que, et leur comportement le montre, qu'ils vont toujours me demander aussi quel est ton impact social, quel est ton impact environnemental, tout autant que mon impact financier. Et puis quand on crée les lieux, les baux que l'on offre à nos locataires, on essaie de leur donner un maximum de protection pour que leur activité perdure. Voilà, donc il y a pas mal de choses qui permettent de protéger l'objet social d'éthique. Je crois qu'on est à peu près 24 personnes en ligne et j'ai pas beaucoup de questions. Enfin, j'en ai encore quelques-unes, mais n'hésitez pas à réagir. Et à poser des questions, mais il faut le faire par écrit. Alors, comment a commencé votre idée ou aventure? Elle a commencé en effet en Angleterre. Moi, j'étais partie en Angleterre pour faire un MBA à Oxford dans une course à avoir une belle carrière. Et je me suis aperçue en arrivant en Angleterre que finalement j'étais en quête de sens et que ce qui m'intéressait c'était de pouvoir travailler en me sentant utile. Et j'ai découvert donc le monde de l'entrepreneuriat social à Oxford et j'ai rencontré donc Jamie Hartzell qui avait lancé Ethical Property. Et voilà, après je me suis lancée dans cette aventure et quand il a été question de répliquer le modèle ou du moins de l'adapter aux besoins des structures ESS en France, voilà, j'ai eu envie de revenir en France et de répliquer. Donc en fait, je réplique une idée qui n'est pas à moi, mais que j'ai participé à faire évoluer et améliorer. Alors, je regarde s'il y a d'autres questions. Alors, j'ai une question en live à côté de moi. La façon dont on lève, je vais vous parler un petit peu de la façon dont on levait les fonds en Angleterre et en quoi j'ai adapté ça à la France. Donc, en Angleterre, comme je vous dis, l'aventure s'est créée il y a plus de 20 ans. Il n'y avait pas la possibilité de faire du financement participatif à l'époque. Mais il y avait une réelle volonté de permettre à tout un chacun, quel que soit son épargne, de pouvoir participer à investir dans des bâtiments éco-conçus, etc. Et de vraiment voir concrètement ce qui était fait avec son argent. Et donc, ce qu'on a pu faire en Angleterre, c'est qu'on faisait des appels publics à l'épargne. Donc, c'est-à-dire qu'on travaillait avec l'autorité des marchés financiers britanniques, où on écrivait un prospectus à chaque fois qu'on devait lever des fonds. On faisait des grandes campagnes avec. On allait dans toutes les villes parler un petit peu de notre aventure. Et on avait plein de gens qui investissaient. Donc, aux côtés de certaines. Donc, on avait des institutionnels, mais qui étaient principalement des fondations. Et plein de particuliers. Et quand je dis plein, il y a, je crois, 1700, 1300, je ne sais plus, enfin environ 1500 personnes qui sont actionnaires d'Ethical Property en Angleterre. Et donc, quand je suis rentrée en France, pour moi, c'était important d'avoir ce volet, d'avoir des particuliers, mais c'était important aussi d'avoir les institutionnels En me lançant, quand on se lance, on a peu de moyens. Et donc, faire des appels publics à l'épargne, c'est quand même assez coûteux. Et donc, j'ai commencé à faire simplement
principalement des levées de fonds privés. Donc, les particuliers, c'était surtout les salariés d'éthique, certains des locataires, certains des fournisseurs, donc des gens qui connaissaient bien la société, qui pouvaient investir dans éthique, et les institutionnels. Et puis, peu à peu, ces réseaux ont grandi. Je pouvais faire des pitchs auprès de business angels, donc on avait des particuliers comme ça. Et par miracle, enfin, par chance, il y a eu l'avènement du financement participatif. Et c'était une année où j'allais m'apprêter justement à me dire, OK, maintenant, Ethique est peut-être plus solide, on va pouvoir faire des appels publics à l'épargne. Mais maintenant, avec le financement participatif, c'est beaucoup plus simple de faire des appels de faire des augmentations de capital qui impliquent les particules. Alors, question. Quels sont vos objectifs de développement à moyen terme? Alors, l'objectif, c'est le même de partout, c'est de répondre à la demande. Donc, on n'a pas de stratégie de développement, on va dire classique, qui dirait, bah voilà, on a envie de s'emparer de telle part de marché, dans telle zone géographique, on veut être positionné comme leader de je sais pas quoi. La stratégie, c'est plus, on est vraiment dans du bouche à oreille. Si on fait un bon produit, les personnes qu'on aime aider vont venir nous demander est-ce qu'on réplique ce produit. Et donc, on travaille vraiment à répondre aux besoins du mieux qu'on peut, en sachant que l'équipe est petite. Alors, plus si petite maintenant, mais on est 18 personnes. Il y en a beaucoup qui travaillent sur l'exploitation des milieux existants. Et une toute petite équipe qui travaille à développer les nouveaux lieux. On pense être capable de travailler sur entre 1 et 3 projets par an en continu, ce qui veut dire qu'on peut ouvrir entre 1 et 2 centres par an et peut-être un petit peu plus au fur et à mesure des années. Donc ça va être le type d'évolution. L'évolution va continuer et finalement cette limite, elle est plus basée sur notre capacité à faire des bons projets. Après, la demande est très importante et c'est pour ça qu'on a développé un service d'ingénierie conseil en création de tiers-lieux où on va pouvoir accompagner des porteurs de projets, soit des collectivités, soit des propriétaires fonciers, soit des groupes de futurs locataires, associations, à ce qu'elles puissent savoir comment faire leur propre tiers-lieu. Et parfois, dans l'aventure, il va se passer que leur propre tiers-lieu, on va pouvoir y prendre part, mais parfois, ben, on va pouvoir les laisser faire leur tiers-lieu tout seul. Donc, en fait, on a beaucoup de demandes. On a, je sais pas, j'ai Baptiste à côté de moi. On gère combien de demandes à peu près? Ouais, on a une à deux demandes par semaine pour créer des nouveaux tiers-lieux. Et voilà, on essaye de répondre au mieux qu'on peut pour pouvoir gérer ça. Et en gros, entre 1 et 2 par semaine, c'est clair qu'on ne va pas créer 100 centres par an, on en est incapable. Donc on est obligé de filtrer et d'aller là où on est le plus légitime. Alors, travaillez-vous en zone tendue uniquement ou développez-vous des projets dans des villes secondaires, zones rurales? Alors, zone tendue, je comprends cela par des métropoles ou des villes assez grandes. Donc, on aime bien travailler sur des projets qui ont du sens pour les utilisateurs. Les utilisateurs ESS, on va les retrouver dans les grandes villes. Mais au sein des grandes villes, ils vont vouloir être proches des transports en commun, mais ça ne les dérange pas, voire ça les aime bien être aussi dans des quartiers en devenir ou être limitrophes d'un quartier en devenir. Et ça, nous, on aime bien aussi parce qu'on espère pouvoir faire tache d'huile positive sur un quartier. C'est pour ça que le premier espace que l'on a fait, c'était à Vaux-en-Velin-la-Soie, donc un quartier Vaux-en-Velin qui est enfin, en fort développement, zone sensible, mais très proche de Villeurbanne, qui va bien. Donc on espère finalement, parce qu'on encourage nos locataires à travailler avec les personnes en local, à offrir des stages et des emplois aux gens du quartier, voilà, on espère d'avoir un impact bénéfique. Mais il ne faut pas qu'on soit non plus complètement perdu. Et donc c'est vrai que
Après Vanvelin, on a fait Montreuil. Montreuil, encore une fois, on n'est pas en centre-ville de Paris, mais on est proche du métro Mairie de Montreuil. Donc voilà, on est quand même pas trop mal placé. Nanterre, on a Nanterre. Le projet, finalement, dans des zones les moins tendues qu'on a fait, c'est le projet de Castres, où là, on est vraiment dans une petite ville qui a connu énormément de chômage. En 2008, il y a eu plein d'usines textiles qui ont fermé. Enfin, c'est vraiment une zone compliquée. Et donc, on a fait ce choix de faire un projet là-bas. Ça s'avère extrêmement compliqué. En effet, il y a beaucoup. Ça demande beaucoup plus d'attention et de travail qu'une zone tendue. Et donc, pour finalement conclure sur la question, oui, ça nous arrive de travailler sur des villes secondaires. Ça demande énormément d'énergie, donc il faut que ce soit fait dans un cadre bien précis que maintenant on connaît. Et ça demande vraiment d'assembler beaucoup de partenaires pour pouvoir réussir quelque chose. Et en même temps, on a beaucoup de demandes sur les villes tendues parce que c'est là où sont aussi la plupart de nos locataires. Alors, de manière prospective, seriez-vous intéressé de développer des projets mixtes habitat-activité? Oui. On avait essayé de travailler un moment sur un projet avec Habitat Humanisme pour qu'il y ait un bâtiment mixte avec de l'habitat, du bureau, des commerces. Finalement, c'est super de pouvoir travailler avec des acteurs qui ont une approche similaire à la nôtre, tant au niveau de la façon dont on traite le bâtiment d'un point de vue écologique, le plan financier vertueux finalement, où on va aller chercher un modèle économique qui permet de rembourser en gros le prêt bancaire qu'on fait souvent, mais qui ne va pas chercher une lucrativité maximum afin d'offrir des loyers abordables. Donc quand on est aligné avec des partenaires comme ça, on peut vraiment faire des ensembles plus grands où du coup tout l'aspect après exploitation, où on est beaucoup sur la mutualisation des moyens, on peut le porter encore plus loin. Et donc on peut rendre un service encore plus riche à nos locataires. Alors on l'a pas encore fait. Après, il y a Wiki Village à Paris qui va s'en rapprocher le plus, étant donné qu'on aura des bureaux, des ateliers d'artisans, du commerce, il y aura peut-être même une brasserie. Voilà, donc il y aura pas mal d'activités et puis il y aura un petit peu de colis. Mais c'est pas encore le grand mix qu'on pourrait faire avec les bons partenaires au bon endroit. Alors, comment est garanti le remboursement du prêt et des intérêts? C'est la différence qu'il y a justement entre prendre une action éthique où ben, quelque part on prend le risque que la société fonctionne très bien ou fonctionne pas bien. Dans l'obligation, ça ressemble beaucoup à un prêt. Donc en passant par l'État, les épargnants vont pouvoir avoir des morceaux d'éthique au fur et à mesure. En fait, nous, l'option qu'on a choisie, c'est que je crois en fait, on va payer les intérêts sur ce que vous nous avez prêté tous les ans, annuellement, enfin, ou mensuellement. En fait, je ne sais plus. Mais en tout cas, il y a des intérêts qui courent régulièrement. Et à partir de l'année 4, on commence aussi à rembourser le principal, ce qui fait qu'au bout de 7 ans, vous aurez perçu vos intérêts tous les ans et vous aurez été remboursé de la somme que vous avez prêtée. C'est à moins qu'il se passe, je ne sais pas quoi, qu'éthique n'existe plus, en fait, vous êtes garanti d'être remboursé. Je pense que c'est la principale différence avec les actions. Alors, j'ai une question. Comment sont répartis les rôles au sein d'Éthique côté gouvernance? Comment cela se passe? Alors, les principaux organes de gouvernance d'Éthique, il y a l'AG, donc l'Assemblée générale, enfin, l'Assemblée des actionnaires,
C'est un organe de gouvernance qui se réunit au minimum une fois par an et qui est décideur sur tout changement de statut éventuel qu'on souhaiterait faire et sur la modification du capital d'éthique. Ensuite, il y a un conseil de surveillance, donc c'est plutôt un comité de surveillance précisément, qui existe donc depuis la création d'éthique et composé aujourd'hui de 7 membres, 7 administrateurs, bientôt 6, avec 60% de femmes. Donc c'est un comité de surveillance qui se réunit 5 à 6 fois par an et qui, en son sein, a aussi des sous-comités. Donc il y a un comité d'audit qui va plus être attentif à la clôture des comptes, gestion des risques, performance du triple bilan, donc social, environnemental et financier. Il y a un comité d'investissement qui voit arriver les projets qu'on propose et qui va nous aider à valider si tel ou tel projet est bien en ligne avec les quintessentiels, etc. Et il y a un comité RSE qui travaille aussi sur toutes les questions RSE. Donc ce comité qui se réunit ensemble, le comité de surveillance, 5 à 6 fois par an, et les sous-comités qui se réunissent en parallèle, peut-être 3-4 fois par an, va pouvoir décider lorsqu'on crée des filiales. Donc quand on crée un nouveau projet, on crée une SCI, donc création de filiales. Quand on fait des dépenses qui vont au-delà de 50 000 euros, et il valide le budget annuel. Donc, en gros, il faut qu'on soit d'accord sur la stratégie de comment on va employer nos moyens et comment on va continuer à se développer. On a un comité des experts qui réunit des personnes à la fois qui représentent des locataires, d'autres types d'usagers et qui réfléchit aux nouveaux usages et aux nouvelles façons de travailler pour que finalement nos centres correspondent bien aux besoins. Il y a un comité des salariés qui réunit tous les salariés qui ont plus d'un an d'ancienneté. Une de leurs principales actions, c'est de se prononcer tous les 3 ans, en fait, le mandat de présidence, donc mon mandat, dure 3 ans. Et donc, en cas de renouvellement ou si jamais il y a quelqu'un d'autre qui se présente, en fait, le comité des salariés va donner son avis au comité de surveillance sur qui devrait diriger la société. Et le comité des salariés aussi doit pouvoir échanger avec le comité de surveillance sur la stratégie en général. Donc ça, c'est les principaux organes de gouvernance formels. Et puis sinon, au sein d'éthique, donc on a un comité de direction. Vous avez vu sur l'ITA, on voit pas mal les photos donc, de Fabien Besson et Anne Meilleur. On a un comité de direction, on essaye de mettre en musique la partition qu'on décide en comité de surveillance et aussi de canaliser tout ce qui est produit et demandé ou les demandes de décision qui viennent de tous les autres salariés, de la société, pour que les salariés puissent avoir, en plus de leur travail quotidien, des actions sur des chantiers transversaux. Voilà. Je pense qu'on va prendre peut-être une dernière question et après on va aller faire une petite visite virtuelle de EVA. Alors, j'ai la question, pourquoi un plancher d'investissement de 1 000 euros qui peut paraître dissuasif par rapport à votre volonté d'améliorer l'accessibilité? Pourquoi un plancher de 1 000 euros? Depuis le démarrage, je pense que c'est une peur de la dirigeante et donc de moi, de ne pas être capable de gérer correctement un trop grand nombre de particuliers. En tous les cas, aujourd'hui, à la taille que l'on a. Et le fait d'avoir un minimum de 1 000 euros me permet de ne pas avoir un nombre trop important de particuliers. C'est peut-être quelque chose qui va évoluer avec le temps, mais c'est vrai que c'est important pour nous que les actionnaires d'éthique viennent aux assemblées générales, votent, s'expriment. Il y a un questionnaire au moins une fois par an. On a vraiment besoin de savoir ce qui se passe. Et ce que j'ai peur, c'est que si on est beaucoup trop nombreux, on perde cet engagement actionnarial et ces échanges
qu'on a avec nos actionnaires. Voilà. Mais à ce stade, je pense que ça va être comme ça. En Angleterre, c'est pareil, il y a un minimum à 1 000 livres. On va faire la visite virtuelle. Ben merci beaucoup à toutes et tous pour les questions. Et j'espère que les réponses étaient claires. Donc EVA, c'est un centre à l'origine qui était une usine de caoutchouc. C'est une usine du 19e siècle qui ensuite a eu une vie comme une école en tant qu'école de management. Et donc c'était un grand espace de 2000 mètres carrés avec plein de salles de classe. Donc ici, on est dans l'espace de coworking. On aperçoit d'ailleurs encore les tables, les escaliers de l'amphithéâtre. Et qu'on a donc on a redesigné pour faire un espace de coworking où les gens peuvent travailler entre un jour par semaine à temps plein. Voilà. À chaque étage, on a l'indispensable et très glamour photocopieuse. Le but, c'est d'avoir un service clé en main. Dès qu'on se branche, en fait, les structures viennent avec leur ordi. Ils se branchent, ils ont accès à Internet, copieur, scanner, etc. On a aussi à chaque étage une petite kitchenette qui permet voilà, de se préparer thé, café et faire réchauffer les bons petits plats. Donc on va monter. Donc ici, en fait, pour vous expliquer, on est au premier étage de l'EVA. Donc, je fais passer par l'escalier des coulisses. On a trois escaliers dans l'EVA. Donc il y en a deux qui sont empoisonnés pour qu'ils puissent être conformes à la législation. Et donc ils sont pareil très peu empruntés en fait. Et on a un troisième qui lui n'est pas empoisonné, qui permet de voir passer tout le monde et qui est vraiment le lieu de passage de tout ce qu'on empruntera en descendant. Voici le troisième étage. Donc un petit peu partout dans les couloirs, on a des petits espaces pour travailler tranquille, pour se réunir. Ici, on a un petit test d'hydroponie en cours. Et puis surtout, on a les différents bureaux de nos locataires. On voit la conciergerie solidaire, Trobone Lab. On a aussi c'est pas exactement un ascenseur, c'est un monte-personne. Ça permet pour les emménagements, quand on a besoin d'utiliser, de pouvoir monter par cet ascenseur. Recyclage, mobilier récupéré. On a des petites bulles de réunion aussi fermées. Encore la fameuse photocopieuse. Ici, la petite espace repas, kitchenette. Et comme je l'expliquais tout à l'heure, quand on a rénové le centre, on a dû changer les portes des bureaux parce qu'elles n'étaient pas conformes, il fallait que les portes coupent feu une heure. Et donc, les anciennes portes sont maintenant ici. Et sont le plan de travail de la cuisine. Donc ça, c'est juste un exemple de ce qu'on a fait. La table aussi sur laquelle on déjeune entre midi et deux, c'est du second main. Ça a été des dons de différents partenaires, entreprises, chez qui on a récupéré du mobilier. Dans la rénovation, on a travaillé plus de 30% des heures en insertion. Il y a le recyclage aussi. Beaucoup de choses qui sont recyclées. Donc voilà, là c'est on voit ce fameux escalier avec l'atrium au centre qui donne vraiment à EVA cet aspect très communautaire et où tout le monde se connaît. Donc c'est vrai que l'aménagement est très important dans ce qu'on fait. Pour pouvoir favoriser les échanges. Boulangerie, resto, bio, événement. Et du coup, on va descendre. Non, je veux dire qu'il y a une boulangerie, un resto, bio.
Peut-être juste pour voir, quand on regarde, je ne sais pas si vous voyez. Donc en bas à droite, on a la boulangerie-pâtisserie qui produit tout ce qui est pain, mais également des pizzas, des quiches. Et à l'heure du déjeuner, on peut déjeuner grâce à un service traiteur qui amène des plats. En bas aussi, on a la maternelle et on a des espaces de réunion et d'événements. Commentaire que tu peux répondre. Ok, du coup, alors, je ne sais pas si vous voyez correctement. Voilà. Je ne sais pas, au niveau tamis, je crois qu'on n'a plus beaucoup, beaucoup de temps. J'ai quelques commentaires, bah, c'est que des remerciements. Donc, c'est très gentil. Merci. Bon, bah, il n'y a pas d'autres questions, donc je pense qu'on va clôturer. Merci beaucoup, c'était un tout petit tour, mais au moins vous avez vu ce qui se passait ici à EBA. Et bah, merci pour toutes vos questions, merci d'avoir été présent ce soir et puis à très bientôt, j'espère. Voilà. Au revoir.